Avant toute chose, les amis, laissez place à notre nouveau Minia Maker, Ko, qui nous a fait cette nouvelle magnifique Minia, et c'est que le début. Donc voilà, gros merci à toi, chaîne en description, et bonne vidéo. Salut les gens, c'est Tommy de Live Productions, et aujourd'hui on se retrouve sur Elysium avec Alto. Oh, bonjour. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial, parce qu'on va tester le LGUHC avec des subs, donc ça va être le LGUHC sub 1, lol. Donc voilà, l'UHC débarque sur la chaîne, on a repris l'UHC il y a quelques semaines, et ça nous a vraiment fait kiffer, surtout qu'on a découvert le loup-garou, qui est vraiment un mode de jeu super bien, et on s'est dit, bah pourquoi pas le faire avec des abonnés, ça pourrait être vraiment stylé. Et donc du coup, voilà, on a organisé le LGUHC sub, qui est donc, bah, comme l'a dit Tommy, un LG avec les abonnés, lol. Les particularités de ce LG, c'est que déjà on sera en vocal avec tous les abonnés, donc grâce à Mumble, donc du coup on pourra s'entendre qu'à 50 blocs autour, c'est comme en réalité, c'est archi stylé Mumble. Ensuite on est sur un loup-garou run, ce qui veut dire que on commence déjà avec un stuff et il y a plus de minerais qui drop, il y a cutlin, timber, etc. Même si on va pas trop s'attarder à la partie en surface étant donné qu'on a déjà le bois, les pommes, etc. Donc direct on va partir miner. Aussi la petite particularité de l'UHC sub, c'est que chaque saison le mode de jeu il changera. Donc cette saison c'est du loup-garou, mais la saison 2 peut-être qu'il y aura... je sais pas moi, du Death Note, du Top Gun d'ailleurs proposé, ou du Classico, pourquoi pas proposé, ou peut-être d'autres modes de jeu exclusifs. Donc voilà, nouveau concept assez sympa. Je pense qu'on va faire un épisode 2 dans peu de temps, étant donné qu'on était vraiment hype. On vous préviendra dans une prochaine vidéo, mais voilà, je pense qu'on va pouvoir partir, lancer la game, et puis voilà, bonne vidéo les gars. Putain, elle est géniale ma grotte. Ça va la réunion des creepers? En soi, ma grotte, elle était pas ouf. Au début, elle était bien, mais pas à la fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu descendre en minage opti. Ah, nickel, du James. Ça va, ça tombe vite. Oh, nickel, en plus, c'est un beau filon. J'espère faire une bonne game pour cette UHC sub numéro 1, parce que... Bah, ah, nickel, la bordure. Parce que, bah, voilà, quoi, ce serait un peu con. En soi... Je préfère faire des kills et perdre plutôt que ne pas faire des kills et gagner. En termes de rôle, j'espère être soit LG, puisque bah du coup tu connais direct ta team, tu peux faire beaucoup de kills et tout. Soit assassin. C'est le. Pour moi, c'est mon rôle, bref. On va commencer à se faire les petits trucs du coup. Oh, j'ai déjà 16 diamants, what the fuck. Oh, les rôles, c'est bientôt. Ok, les rôles, c'est dans maintenant. Je suis donc assassin, ce qui est pour moi le meilleur rôle. Contrairement aux autres rôles, je ne possède pas de camp. Je suis ni dans le camp des loups-garous, ni dans le camp des villageois. Le rôle assassin est un rôle très dur à jouer, puisqu'il doit tuer tout le monde et gagner tout seul. Pour m'aider à cela, j'aurai quelques atouts. Tout d'abord, j'aurai force le jour, à l'inverse des loups-garous. Je recevrai un peu de vitesse et 2 cœurs d'absorption à chaque kill que je fais. Et pour finir, je posséderai 3 bouquins, un livre tranchant 3, un livre protection 3 et un livre puissance 3. De quoi me faire un stuff vraiment pété, surtout que j'ai les atouts du rôle assassin. Je peux donc me faire un enchantement de plus que tous les autres rôles. Comme je l'ai dit, je dois faire la game tout seul de mon côté et tuer tout le monde. Je ne peux faire confiance à personne, à moins que... Oh putain, best game. Quoi? What the fuck? What the fuck? À moins, en effet, que je sois en couple. Le Cupidon m'a donc placé amoureux de Crêpe au chocolat. L'amoureux changera vraiment tout, puisque je pourrais donc faire confiance à Crêpe au chocolat. La particularité de ce rôle, c'est que si l'un de nous demeure, eh bah, l'autre le suivra dans sa tombe et mourra avec lui. Il faut donc assurer nos arrières et bien faire gaffe à ce qu'on ne meure pas. Maintenant, nous sommes donc obligés de gagner en couple, étant donné que l'assassin n'est dans aucun camp, on ne peut pas gagner avec notre camp. On doit donc tuer tout le monde, mais cette fois-ci à deux. Oh, moi je vote personne parce que ça se fait pas, je sais pas c'est quoi. Est-ce qu'il y a des votes? Mais genre, je sais pas, personne n'a croisé personne. Voltrox a un vote, Fafin a 2 votes. Oh non, pauvre Fafin. Ça se trouve, moi j'ai 3 votes. Quoi? Mais je me demande si c'est vraiment le streamhack. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui streamhack. Parce que me prendre 5 votes comme ça alors que personne ne m'a jamais croisé, c'est pas possible autrement. Vu que je sais pas, ils auraient très bien pu voter Tommy. Tommy avait 0 vote. Après, je comprends qu'il m'ait voté moi vu que c'est moi qui ai créé le... Hein? Ok. Vu que c'est moi qui ai créé le LG sub avec Tommy. Mais dans ce cas-là, Tommy aussi se prend les votes. Mais Tommy s'est pris 0 vote. Christine, veuillez, s'il te plaît. Tu peux éviter de dire ça? Ah,
Crêpe ? Yes. Oh mon dieu ! Crêpe ! Go 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 ! Yes. T'es où ? Là, regarde un peu près. Dessus. Comment tu m'as retrouvé ? La boussole. Ah oui. Go faire des panneaux. Regarde. Je suis trop content. Oh. Vas-y, toi, t'es quoi ? J'ai le même rôle qu'à chaque fois. Oh, ça va. Ça aurait été bien, genre, un LG pour nous dire la liste, mais bon. Oh, t'as la... Oh, mais mec, t'es un amour. Nathan, alias Crêpe au chocolat, mon amoureux, m'a donc rejoint en grotte. Nous pouvons donc veiller l'un sur l'autre, et nous pouvons être sûrs que nous sommes à côté, sans s'inquiéter pour l'éventuelle perte de l'autre. De plus, il est assassin, ce qui est un rôle du village, et qui est assez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'assassin est un rôle comme simple villageois, sauf que tu as deux vies. Quand tu meurs, tu peux ressusciter, ce qui est assez bien, surtout quand on est en couple, vu que bah du coup, si on meurt, et bah ça ne tue pas le couple, tu as une vie bonus. En plus de ça, il m'apporte la table d'enchantement, ce qui va me permettre d'économiser mon temps, je vais pas attendre 3 milliards d'années de voir de l'opsy. Du coup, je vais pouvoir commencer à enchanter mon stuff. Attends, juste c'est combien les règles ? Attends, protection 2, James. Ah merde, je voulais me faire plus. Bah toi tu peux, du coup. Ah bah oui, ah bah, c'est vrai. Tranchant 4. Oh putain. Du coup, nice. Je suis P2, P3, P3, P2. Ça je va. Suis full P2, Sharp 3. Nous avons tous les deux un assez bon stuff et les minutes passent. Nous décidons donc de remonter à la surface pour rejoindre les autres après 41 minutes de jeu. Il y a deux énormes. Mais non, mais fais gaffe. Tommy. Oh ! Donc à ce moment-là, mon MC crash. Et comme la bordure était déjà activée, bah je suis mort. Et oui, ça fait mal. C'est trop ah, bien, mais ça. Du coup, Tommy, j'ai pas pu lui donner ma redstone. Bon bah. Rip. J'espère qu'il se fake, hein. C'était pour lui, ça. Oh, putain. Sérieusement. C'était un cadeau pour lui. Ah, oh, amen. Salut. Une personne. C'est qui ? Là-bas. T'as c'est rencontré grand frère. Ah, c'est grand frère. Ah, salut. Ouais, grand frère. T'es tout seul ? T'as rencontré ouais, personne depuis tout à l'heure ? Non, mais en fait, il y a juste les specs qui sont mis. Ah, je mange un peu... Super. Attends, je regarde juste. Ok, ça va, t'as l'enchant et tout. Ouais, j'ai deux pièces. Sinon, la connexion au serveur a échoué, l'hôte distant a fermé la connexion. Quoi ? Alors à ce moment-là, Mumble crash, car on a atteint les 1 mois gratuits. L'offre, elle se finit pile au moment du LG, notre chance sur 20 s'il vous plaît les gars. Ça me fait chier parce que j'avais prévu de tuer grand frère, ça se voyait dans mon comportement, mais du coup j'ai pas pu le faire parce que bah fallait relancer le Mumble, etc. J'ai trouvé une solution, malheureusement la bordure nous a rattrapés, elle a tué grand frère et Crêpe a réussi à s'en tirer, mais seulement grâce à son rôle d'ancien qui lui a permis de ressusciter. C'est une très bonne nouvelle car ça sauve ma game, mais bah du coup on va plus pouvoir compter sur cette possible résurrection et ça va nous faire chier pour la suite. Moi j'ai réussi à m'enfuir vers le middle, j'ai vraiment foiré la bordure étant donné qu'elle s'est déclenchée trop tôt, qu'elle réduisait de 1,5 blocs par seconde, ce qui est assez énorme, et que bah elle faisait 100 de taille finale. En gros personne ne pouvait attaquer, ni les LG ni nous, le couple, ou moi l'assassin, c'était vraiment, on pouvait rien faire. Mais heureusement, je l'ai mis à combien? Oh, tu peux les edit? Bah 500, ça va. Quoi, genre tu peux éloigner? Wesh. Oh, yes. Wesh. Ah, yeah. Oh, oh, magnifique. Oh, génial, The Bird, t'es mon héros. Vas-y, viens, Blake. Oh, oui. Oh, mon Dieu. Il y a personne qui vient. Attends, vas-y, on descend un peu. Juste, tapez pas, parce que là, c'est vraiment bâtard. À ce moment-là, on est à la recherche de notre Cupidon, histoire de commencer à vraiment attaquer en 3v1, Cupidon et couple contre tout le monde. Étant donné que Blake voulait absolument me dire quelque chose, je pensais que c'était le Cupidon. Qu'est-ce que t'as à dire, du coup ? À vrai dire, j'ai rencontré un des personnes qui est mort. Y a Crêpe et tout, y a Crêpe au Nutella et tout qui... Voilà, qui c'est... Et cette personne avait pas mal d'infos. Non, t'es juste là-dessus. Bah attends, mais écris, prends des panneaux, tiens. T'as des pommes d'or ? J'en ai 8, mec. Passe-en, s'il te plaît. Ça va jamais finir. 0. Ouais, mais... comment, quoi ? Je te passerai du diamant. Bah, attends. Mais là, pourquoi y'a tout le monde qui suit ? Viens, je vais t'expliquer. T'as un indice sur ton rôle ? Moi ? Ouais. Ouais, bah justement, j'ai cave avec une personne que tous les deux on avait extrêmement confiance, qui est morte. Dommage. C'était Tommy, pas moi ou... Tes sœurs ou... Non. Vas-y, bah... Ah help. Crêpe. Ah. Sale coupe. Je suis là. Sale coupe. Mais qu'est-ce que tu dis? Il vient d'attaquer, mais gros. Comme ça.
Mais gros, c'est un LG, 200%. 200% t'es LG, gros. 200%, t'as attends. Help. Non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Crêpe. Vous êtes le couple. Putain. Et voilà, c'est comme ça que la game. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais gros, c'est un LG, 200%. C'est le jeu. Je suis un peu déçu car le 200% t'es LG, gros. Préféré, c'est un rôle. Attends. Help. Non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Parfait, mais j'ai pas su les gérer après à la phase PVP. Putain. Je n'ai donc plus de moyens dans la game. Je suis mort. Vous êtes le couple qui s'offre à moi. Oh putain. Quoi? Mais c'est quoi cette putain de game? Quoi? Mais c'est quoi cette putain de game? J'ai donc été ressuscité par The Bird qui est l'infecte père des loups. M'ayant vu mourir, il a donc décidé de m'infecter en loup-garou. Juste, j'ai zéro gap, mais tu m'en as déjà passé donc je t'oblige en rien. Mais putain, mais t'es tellement gentil. Alto, j'ai raison ou pas? Mais pars toi, t'es mort. Je te dirai après. Je t'ai envoyé un messier. Ah, oui, j'avais raison. Oh non. Cette fois-ci, c'est bel et bien la fin de la partie pour moi. Je possède énormément le seum, ça je l'ai déjà dit, mais en plus de ça, je me suis fait affecter loup-garou grâce à l'infect. Mais mon couple crêpe est mort et je me suis donc mis dans sa tombe avec lui. Ce qui m'énerve ici est que si j'avais bien réglé la bordure, eh bien crêpe au chocolat ne serait pas mort, il aurait encore sa possible résurrection de l'ancien. Ainsi, on aurait pu réapparaître tous les deux. Moi en plus j'aurais été loup-garou et on aurait pu s'offrir une nouvelle chance de gagner en couple et là ça aurait été vraiment exceptionnel parce qu'enchaîner assassin, couple et double résurrection comme ça, ça aurait été vraiment une putain de game de folie. Mais hélas, il y a eu ce putain de bug de la bordure, j'ai vraiment le plus gros seum du monde. Mais bon, on va pouvoir se rattraper dans les prochaines parties. En même temps, ce sera pas dur, à moins que j'ai le rôle simple villageois. Tous mes rôles étaient parfaits, je pouvais pas rêver mieux. Seulement, la phase PVP ne l'a pas été autant. J'ai pourtant eu énormément de chance de me faire infecter, etc. Mais voilà. C'est dommage, mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Néanmoins, après ma mort, la partie reste tout de même intéressante. Mais bon, mon point de vue est terminé. Si vous voulez voir la fin de la partie, et ça je vous le conseille, ce sera sur la chaîne de Crêpe au Nutella et Crêpe au Chocolat, avec le point de vue de Nutella, cette fois-ci, parce que chocolat j'y traînais avec toute la game donc j'ai entre guillemets son point de vue, mais le point de vue de Nutella est sûrement le plus intéressant de la partie, beaucoup plus intéressant que le mien, donc je vous invite à aller check sa vidéo qui sortira dans quelques jours je pense, elle sera sûrement pas encore sortie quand moi je vais upload sur iProduction, mais bon je mettrai sa chaîne dans la description et dès qu'elle sortira je mettrai sa vidéo. En attendant je vous dis au revoir les amis, c'était Alto et Tommy Momo, on attend vos retours en commentaire, est-ce que vous avez aimé cette UHC sub 1, quel mode de jeu voudriez-vous pour l'UHC sub 2, quand voudriez-vous que ça se passe, le 2, l'épisode 2, etc. On attend tout ça en commentaire, nous on a vraiment kiffé, les participants aussi a priori, et donc on est tous super chauds pour en refaire un. Maintenant tout le monde est au courant officiellement avec cette vidéo, donc on espère que les games vont être encore mieux, et bah voilà, j'attends tout ça en commentaire, et puis sur ce, bonne fin de semaine, bon mercredi férié, et soyez sur nos lives et nos prochaines vidéos. A plus pour l'UHC Sub 2.